19h, t'es encore là. C'est incroyable, c'est à croire que t'es abonné toi aussi. Bienvenue, on va se faire un nouveau shmup aujourd'hui. Enfin, nouveau. Ce serait peut-être un petit peu abusé puisque le monsieur a 3 ans d'âge déjà. C'est vrai que 3 ans tout de suite en jeu vidéo, on devient vieux quoi. Quel est le titre du jeu qu'on va étudier aujourd'hui ? Dogos. Et il va falloir quand même que je vous fasse une petite introduction parce que c'est quand même particulier. Dogos est donc sorti il y a 3 ans sur PS4 et sur PC et il fait partie de ces jeux qui sont très très maudits dans l'univers du shmup. Pourquoi ? Bah parce qu'il ne scrolle pas verticalement, il ne scrolle pas horizontalement. Oui, il scrolle dans tous les sens et Dieu sait si le domaine du scrolling multidirectionnel dans shmup est un genre très très mal aimé. Alors on va foncer dedans pour voir un petit peu la tête que ça a, la jouabilité, et puis ce qui en tirer, puisque effectivement c'est un shmup, on est là pour tirer. Et c'est parti. Donc ça se présente plutôt pas mal. Ça a l'air joli. Ça a l'air sympatoche. Il y a l'air d'avoir une bonne tripotée de tableaux à explorer. Maintenant, on va regarder la jouabilité. Alors, la première mission n'est pas des plus compliquées, puisque en fait, on vous apprend à manipuler votre engin. Sachant que le jeu est un petit peu bizarre, puisque vous allez voir que pendant le déroulé, il aura plusieurs façons de se comporter. Celle-là est quand même la plus étrange puisque c'est celle qui consiste à faire bouger uniquement le décor et même pas le vaisseau. Et beaucoup plus loin, enfin beaucoup plus loin, un petit peu plus loin dans l'aventure, bah, il y aura des niveaux comme ça où il faudra s'échapper en passant dans des couloirs de roche. Et ce sera loin d'être évident en fait puisque il y a un angle qui a été choisi qui vous empêche de voir très très loin. Donc vos réflexes seront la seule ressource disponible pour vous en sortir. Bon, heureusement, on peut également bouger le vaisseau dans la plupart des phases de Dogo, puisque il va y en avoir besoin pour shooter un petit peu tout ce qui va vous entourer. Bon, les ennemis, il n'y en a pas 36 000 en fait. Hein. C'est ça d'ailleurs qui est un petit peu dommage dans ce titre. Donc vu qu'on est en multidirectionnel, le bon sens veut qu'on ait un radar, faute de quoi on pourrait tourner en rond pendant un siècle dedans. Et au joie, on a même une map si c'est vraiment la panique totale. Ceci dit, je vous rassure, ces espèces de petits labyrinthes restent relativement simplistes. Un tir pour flinguer tout ce qui est en l'air. Et bien entendu, il y aura un tir pour flinguer tout ce qui est par terre. Oh, le spoil! Nanti de tout ça, vous êtes paré pour explorer Dogo et mettre à épreuve votre skill. Alors un petit reproche déjà dès le démarrage du jeu, le tir au sol avec cette cible à la Xevious est relativement pénible puisque on n'a qu'un missile qui part et pour aligner ce qui se trouve par terre, c'est loin d'être évident, faut être relativement patient, surtout quand les cibles nécessitent plus d'un tir pour exploser. Ma recommandation, au bout d'un moment, faites l'impasse sur ce qui est au sol, à moins d'avoir besoin de chercher des bonus en faisant exploser un véhicule donné. Puisque dans ces derniers, effectivement, vous pourrez trouver des bonus d'armement, des bonus de réparation. Et du coup, ils sont pas nécessaires à flinguer la plupart du temps. Vous pouvez très bien les esquiver tout simplement.
Watch out, enemies ahead. Classique de classique, la mission d'escorte. Alors oui, mon enthousiasme se lit pas trop dans le timbre de la voix, mais c'est clair, il n'y en a pas. je vais être très limpide sur ça. Le jeu est très joli, le jeu est très smooth, il est vraiment agréable sur son environnement. Ceci dit, dans le gameplay, très rapidement, il y a une sorte d'ennui qui va s'installer, puisque ça se répète beaucoup. Couloir, tirer, trouver l'objectif, annihiler l'objectif, s'enfuir, tableau suivant. Alors, entre-temps, on vous fera reluire d'augmenter votre armement en récupérant différents bonus, certes, mais le jeu n'en demeure pas moins répétitif à l'abus, je dirais. Desmond, stay close. Un autre phénomène qui va rentrer dans le jeu, bah, c'est le principe de cette rotation qui fait tourner l'intégralité du tableau. Au bout d'un moment, chez certaines personnes, ça risque de prendre pas mal la tête et finalement, l'effet est pas si agréable que ça. C'est d'autant plus dommage que le jeu reste relativement réussi sur son aspect visuel. Personal Journal, Desmond Phoenix, 21-29. Another massacre by the Zetniks. They surprised us once again. I feel like we're only surviving to escape from these attacks. It seems like they enjoy leaving someone alive just to go out and hunt them later. The attacks are always violent, except for this time it was devastating. The base has been completely destroyed. Too many pilots have fallen. At least I managed to save one of the airships. Alors on peut s'amuser à déverrouiller les différents challenges qui sont proposés en début de tableau, mais je dois vous avouer qu'en fait, ils sont pas forcément super excitants. Tout ça respire quand même le casu de base. Et c'est vrai qu'un fan de shmup qui arrive là-dedans va très vite s'ennuyer, hélas. Head to the entrance of the cave, but be careful. The radar is showing a lot of activity. L'ajout d'armes auxiliaires n'apportera pas grand-chose, puisque... Si ça vous aidera à avancer pour des passages dits entre des guillemets délicats, chose que j'ai pas vraiment trouvé dans le titre d'ailleurs, leur intérêt est somme toute limité. Ma recommandation par contre, dès que vous pouvez déverrouiller un armement pour flinguer ce qui est au sol, digne de ce nom, foncez dessus, c'est super pénible au début du jeu, avec toutes ces petites choses par terre qu'on n'arrive pas vraiment à dégommer. D'une manière générale, comme je l'ai dit au début du stream,
Il faudra pas longtemps au joueur pour comprendre que son intérêt c'est de foncer sur l'objectif. Ça sert à rien de s'attarder sur l'intégralité de tous les ennemis qu'il y a sur un tableau. C'est un petit peu dommage parce que si le gameplay avait été un petit peu plus travaillé dans le sens offensif, I'm detecting a il y aurait huge moyen de energy réellement concentration s'amuser, in alors different que là, sectors of the cave. bah, I'll mark plus on your que radar the waypoints objectif, for you to investigate on what the hell is esquive surtout going l'ennemi on. tourner en rond dans un tableau. Voilà. Explore Et the ça, cave and be c'est vraiment careful. pas This très bon. doesn't look good. Au fil des niveaux, le jeu va essayer de se diversifier, mais en vain. On reste quand même dans une base, des labyrinthes, des ennemis. Il va essayer d'insuffler de nouveaux objectifs, mais au final, on sera toujours là avec notre vaisseau à voler sans trop savoir vraiment ce qu'on fout là. Et ce sentiment va faire que s'étendre au fil des niveaux, puisque finalement, c'est le côté labyrinthe qui va surtout ressortir de ce jeu, ce qui est vraiment dommage puisque à la base, nous, on était venus là pour shooter. The Zetnux use those tanks to extract hydrogen from the lava. Destroy them. Des, according to the readings, that is the last waypoint that you have to investigate. Beware, the cave is becoming unstable, so finish this quickly and get out of there.
Good job, Desmond. Quickly, get out of there. The cave is crumbling down. Globalement, et malgré un emballage fort joli, Dogo c'est une déception. Le fan de shmup qui s'attendait à quelque chose de frénétique va être relativement déçu et passera rapidement à autre chose. À qui s'adresse ce jeu? Moi je dirais plutôt à des mômes. Ce serait un bon défouloir pour eux, pour un môme de 8-12 ans, je pense. Au-dessus, je vous recommande de passer votre chemin, le titre est purement dispensable. Je vous laisse avec les playlists habituelles, le bouton d'abonnement et je vous dis à tout bientôt. Ciao !